Salut à tous, c'est Darkris. Donc je vous retrouve une nouvelle fois pour une vidéo de FF4. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à un boss, Scarmillionné, le seigneur élémentaire. Donc il n'est pas franchement dur, mais comme dans ma New Game Plus, je n'ai pas plus avancé que cela, je ne vais même pas pouvoir vous montrer Proto-Babil. C'est dommage, hein? Donc voilà, j'en profite pour faire une petite dédicace à Crazy Times et Gary Carpenter, parce que ce sont quand même eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Et puis je m'excuse pour la qualité de l'image, elle est peut-être pas forcément au top, mais on va dire que je n'ai que ça à ma disposition. Donc voilà, on fera avec. Et voici le premier combat qui s'annonce. Donc Scarmillionné aux mains violettes. On va pouvoir commencer le combat avec quelques compétences, bien sûr, que j'ai récupérées dans l'autre partie. D'où l'intérêt, car je ne pouvais pas faire une partie comme cela au tout début du jeu, car toutes ces compétences s'acquièrent au fil du temps. Donc voilà, alors maintenant je vais pouvoir lancer Tandem. Mais avant ça, il y aura aussi le passage le plus chiant du combat, on va dire, vu que tous les zombies vont faire saigner. Et ça prend énormément de temps. Donc en plus, ça fait pas mal de dégâts. Même si je n'ai pas vraiment de soucis à me faire, vu que ceci est pratiquement au niveau 30. Je sais, c'est abusé, mais bon, j'aime bien faire du level up, comme ça, ça m'évite des problèmes. Donc voilà. Bon là du coup ils sont morts, hein, j'ai pas de soucis à me faire. Voilà, sors nous ton texte pourri. Et disparaît maintenant. Voilà, alors du coup je vais pouvoir me soigner et effectuer la petite astuce qui consiste à changer l'alignement de son équipe pour ne pas se faire surprendre par l'attaque surprise. Bon, je vous avoue, hein, je me suis fait avoir la première fois qu'il a lancé l'attaque, parce que c'était vraiment pas prévisible. Alors voilà, je vais me soigner, Tella va faire soin d'eux. Et je vais changer l'équipe. Donc, inverser les positions. Voilà. Et là, le vrai combat va pouvoir commencer. C'est parti. Bon, là, on va pouvoir dire que pour une fois, c'est un boss assez impressionnant, même s'il est moche. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à une sorte d'éléphant avec ses défenses. Ah oui, l'attaque surprise. Ah, tu fais peur. Ouais, bon, tu peux arrêter le blabla, là, on aurait bien commencé. Voilà, bon, en contre-attaque. Et à partir de là, j'ai calculé deux tandems suffiront à le tuer. Allez, le grand-père de Crazy qui chante. C'est génial. J'aime bien la musique des seigneurs élémentaires, ça change pour une fois. Voilà, lève bien les bras pour lancer ton attaque. C'est bizarre, avant ils me sortaient Pyro comme sort de tandem, mais maintenant ils ne le font plus. Pourtant c'est super efficace. Voilà. N'empêche, bien pratique le combat automatique. Voilà, bon, bah, il donne des claques dans le vide, hein, parce qu'honnêtement, ça ne fait pas énormément de dégâts. Et voilà, il a mouru. Bon. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer
pour vous montrer en fait tous les boss, parce que je compte bien m'attaquer la prochaine fois à Cagnazzo, parce que j'aime bien ce boss. Voilà, bon, je vais pas vous quitter comme ça, j'aimerais quand même vous montrer la scène culte du jeu, c'est-à-dire la mort la plus stupide en fait. Car Scarmignonet il est roi dans ce domaine. Voilà. Allez, au revoir Scarmignonet. Ça y est, il s'est étalé comme une crêpe. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette image choquante. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les gens.